Ce qui vient à toi la semaine prochaine, selon ton signe astrologique. Sagittaire, poisson, balance, gémeaux, vierge et le petit dernier, verseau. Pour vous six, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire en fonction de toi. En fait, tu auras des messages supplémentaires. Seuls ceux qui sont abonnés à la page auront les 12 signes dans son intégralité, comme d'habitude. Pour info, les reels que tu vois, c'est des extraits des vidéos qui sont disponibles le jour même sur la page. Donc, tu peux les trouver dans la section vidéo de la page. Certains ont expliqué qu'ils avaient des vidéos noires. Nous, on a regardé, elles sont toutes accessibles. Gratuitement, bien entendu, parce qu'elles sont sur la page. C'est pour ceux qui ont du mal, qui ont des problèmes d'ouïe. On te parle de saison, on te parle de quelque chose qui... Alors, soit c'est quelque chose que tu attends, mais en tout cas, on est sur une notion de temps. On est encore sur l'été. Mais ça tombe bien, on est encore en été. Ça concerne un homme avec qui il y a eu ou il y a une relation. Ou tu voudrais une relation. En tout cas, c'est une personne particulière qui a un fort caractère. Bah, j'ai envie de dire un peu comme toi, quoi. Et on est sur la fin d'un cycle, une prise de décision. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un cœur. Ce cœur est partagé. Je suis partagée entre deux. Je sais, je sais pas. Et on est vraiment dans la dynamique de prendre une décision. Donc, ça peut être toi qui a besoin de prendre une décision face à une personne avec qui il y a, en tout cas, des sentiments. Mais ça peut aussi être l'autre qui a besoin de prendre une décision face à des sentiments. Ça indique, c'est quand même incroyable parce que ça indique qu'il y a quand même pas mal abondance de travail pour pouvoir s'épanouir. Donc en gros, t'es clairement pas sorti de l'auberge ou l'autre est clairement pas sorti de l'auberge. Il y a vraiment une prise de conscience de ben, je crois vraiment qu'il y a des choses à mettre en place pour qu'on puisse en tout cas avancer ensemble sur une décision, une direction commune. Je crois que Madame Irma, elle va revenir là. Donc, attends-toi à ce que les messages de Madame Irma sont tous véridiques. C'est, il n'y a pas plus grande qu'elle. Et elle est partie en vacances là parce qu'elle a chopé le Covid, mais elle revient. Ça fait, alors, c'est un travail qui est long parce qu'on voit la période quand même de deux saisons qui se met, en tout cas, on est quand même conscient que ce travail, ce long travail abondant, donc on parle sur quelque chose d'assez intense, on voit que ça fait un petit moment quand même qu'on est en train de bosser. Si en plus tu es en relation sacrée, j'ai vraiment envie de te dire que les choses avancent positivement. Pourquoi ? Comme tu le vois ici, on voit qu'il y a une donnée de chiffres. On est sur quelque chose d'assez éphémère. On est pour moi sur une période soit de jours, soit de semaines, maxi de mois. Mais en tout cas, on voit que c'est un travail qui est long. Ça fait un petit moment qu'on a mis les choses en place. Donc, ce travail, il est vraiment précurseur de votre avancée parce qu'on parle de prise de nouvelles et de nouveaux départs. Alors, je ne sais pas dans quelle direction ça va, si c'est avancer ensemble ou si c'est bien, du coup, avancer séparément. En tout cas, il y a cette prise de conscience qu'on doit travailler, on doit avancer pour pouvoir s'épanouir. Tu dois pouvoir avancer dans ta vie, je dois pouvoir avancer dans la mienne pour qu'on puisse s'épanouir. Et au bout, justement, de ce travail personnel, nous allons pouvoir, à un moment donné, prendre ensemble un nouveau départ. Et cette prise de nouvelles... C'est presque sonder pour voir bon, où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a suffisamment bien travaillé? Alors, ça peut être la séparation d'un couple. Ça peut être une prise de conscience, un déménagement. En tout cas, c'est précurseur de changements imminents, toi dans ta vie et l'autre dans la sienne. Et il faut comprendre que dans tout ça, cette force de caractère de ton autre, mais aussi de toi, parce que vous êtes
similairement les mêmes, ça veut dire que tu es le miroir de l'autre, ça va vous permettre en fait surtout de d'être la personne la plus prioritaire dans ta vie. Bon, ça je t'en ai déjà parlé. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, il y a vraiment, on prend conscience de voilà, qu'est-ce qui me reste encore à travailler, qu'est-ce qui lui reste encore peut-être lui aussi à travailler et à traverser pour que dans une durée de temps, alors j'ai envie de dire 6 mois, mais ça c'est vraiment en fonction de chacun, il y a une prise de communication, il y a des nouvelles qui vous permettra de prendre un nouveau départ. Là, on est vraiment sur qu'est-ce qu'il nous reste encore à mettre en place pour être en harmonie, moi avec moi-même et toi avec toi, pour qu'à un moment donné, on puisse regarder dans la même direction. Le travail est encore long, oui, ben parce que ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau, ça ne se fait pas en 3 semaines de temps et même, j'ai envie de te dire, en 6 mois de temps, c'est presque du jamais vu si tu penses être, ça y est, suffisamment prêt ou prête à enclencher quelque chose de nouveau. On n'est clairement pas là-dessus. Ça va vous permettre justement de voir où est-ce que vous en êtes tous les deux. Ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astrologique. Les 6 premiers sont déjà sortis. Donc, je t'invite à la trouver dans la section vidéo si tu n'es pas abonné volontairement à la page. Seuls ceux qui sont abonnés à la page les auront dans son intégralité, c'est-à-dire dans la même vidéo. Bélier, Capricorne, Lion, Scorpion, Cancer et Taureau. Ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astrologique. Tu peux aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, celui de la personne que tu aimes, ton père, ta mère, ta meilleure amie, peu importe, tu fais comme tu en as envie, fais preuve de discernement comme d'habitude. Je t'ai parlé des Reels. Les Reels, ce sont des vidéos d'une minute trente qui sont des extraits de nos vidéos. Donc, certains pensent qu'il faut être abonné pour les avoir en entier, mais pas du tout. Regardez un peu plus loin que le bout de votre nez, hein, quand même, à un moment donné. Hein. Essayez de faire preuve de curiosité dans la vie. Il faut faire preuve de curiosité. Dans tout ce qu'on fait, une opportunité s'offre à nous. Sois curieux. Lance-toi. Expérimente. Et faites attention aux faux comptes. Quand tu es en contact avec nous, tu demandes un vocal avec ton prénom. Tu entendras notre voix, soit la mienne, soit celle de Cédric. Si tu as un doute, tu règles rien. Déjà dit, c'est pareil, les signaux d'alarme à un moment donné. Bon, regarde, on te parle de quelque chose d'éphémère. Il y a quelque chose d'éphémère. Oh, oh, oh. L'amour. Ok. On te parle d'un nouveau départ en amour. Nouvelle personne, nouvelle rencontre, ancienne personne, ancienne rencontre. Alors, un nouveau départ, mais qui prend du temps parce qu'il y a l'escargot qui ressort. Ça, c'est toi, avec cette peur profonde. T'es pas en rouge, donc il y a cette peur profonde, certainement, de recommencer les mêmes schémas, peut-être les mêmes erreurs, un certain manque de confiance en toi. On sent que c'est un petit peu compliqué pour toi actuellement, émotionnellement. Il y a une envie de nouveau départ, mais c'est pas pour autant que tu te lances. Il y a une envie de toi, une partie de toi qui dit oui, une partie de toi qui dit non. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu n'es pas prête? Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu n'as pas envie? On est vraiment sur ces questionnements. Oui, j'ai pas mis mon micro. Il faut que j'arrive à le régler. En tout cas, on parle du couple. Bon, en tout cas, on est sur quelqu'un que tu connais déjà parce qu'on voit qu'il ne se passe pas grand-chose avec cette personne. Le terrain est aride. C'est très sec, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuit, il n'y a rien. C'est stérile. Et puis, il y a cette sortie qui arrive pour toi. Alors, ça peut être une invitation à un anniversaire prochainement, à un baptême, à un mariage, je ne sais pas. Une envie d'aller prendre un verre avec une copine, aller au cinéma, un resto, peu importe. En fait, en tout cas, il y a une invitation qui se propose à toi la semaine prochaine. Et il y a cette rencontre inopinée qui arrive. Tu vas croiser à nouveau cette personne et tout va remonter comme si rien n'avait bougé. Tu es certainement dans un moment où tu ressens peut-être un peu moins le lien, où les choses sont un peu plus passives. On est plus dans quelque chose de serein. En fait, on ne ressent plus grand-chose et je me suis peut-être trompée dans ma relation, en tout cas de ce que je pensais qu'elle était. Plein de questionnements ont tendance à remonter,
Mais quand tu vas revoir cette personne dans ce moment inopiné, j'ai vraiment envie de te dire prépare-toi parce que tu vas être submergé d'un tsunami émotionnel qui est intense. Parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'on pense que les choses sont passées, parce que le temps a fait son œuvre, les choses se sont apaisées, les émotions, mais aussi une partie de tes angoisses. Et là, pouah, tout remonte. Qu'est-ce que c'est beautiful! Tu vas avoir envie de te protéger de tes pensées. Non, non, il est hors de question que je repense à lui ou à elle. J'avais décidé d'avancer, de laisser tomber. Ça va faire renaître l'espoir en toi. Ça va faire renaître l'envie. Ça va faire renaître tout ce que tu as pensé avoir accepté, délesté, oublié, laissé derrière toi. Et en fait, tout revient à un moment donné et j'ai vraiment envie de te dire que tu ne t'y attends pas. Cette sortie, elle n'est pas la semaine prochaine. C'est une proposition qui est faite la semaine prochaine en lien avec quelqu'un que tu connais qui va t'inviter. Il y a de toute façon un rendez-vous, quelque chose qui se met en place. Et lors justement de ce rendez-vous, il y a cette vision de la personne que tu pensais avoir oubliée, tu pensais pouvoir prendre un nouveau départ, peut-être avec une autre personne, une tierce, et là, patatras, tout revient en plein visage, et ça va faire renaître l'espoir. Pas l'envie, pas la patience, pas l'attente, mais l'espoir. L'espoir que les choses ont sans doute changé. On ne croit jamais personne. Dans sa vie, par hasard, il y a toujours un sens. Alors, ça fait renaître l'espoir, mais ça fait renaître aussi tes doutes. Tes doutes sur la relation. Pourtant, on voit quand même une communication harmonieuse, un retour harmonieux. En fait, on n'est plus du tout sur les vieux schémas qu'on a pu avoir, sur ces rancœurs, l'amertume, une colère. On n'est plus du tout là-dessus. On est vraiment sur, ouais, je suis trop contente de te voir, j'espère que ça va pour toi. Il va vraiment falloir, il va y avoir et falloir écouter ce que l'autre a à te dire, ce qu'il a traversé, comment il va. En fait, ça va être un petit temps où vous allez pouvoir converser tous les deux de ce que vous avez fait, mais surtout apprécier tout ce que vous allez vibrer l'un par rapport à l'autre. Rien n'est fini, tout est un recommencement. Il y a vraiment quelque chose de qui t'indique beaucoup d'espoir face à ce retour de cette personne dans ta vie.